coup a dû faire très mal. Un coup époustouflant. Qui est là? Je suis armé. Je vais te faire si mal à la tête et ailleurs que les dieux s'en souviendront jusqu'à la fin des temps. Calme-toi, mon ami. Je ne te veux pas de mal. Il n'en reste plus grand-chose de valeur. Les chacals ont déjà dépouillé cet endroit de sa chair. J'ai lu le récit d'une bataille entre Mysis et Ocus. Tu sais si elle s'est déroulée ici? C'est ici que Mysis a trouvé la mort des mains de Bagoas, l'eunuque, et Mentor, le rhodien. Tu as peut-être lu ma version de « J'ai vu Thoth ». Non? Peu importe. Tu sais ce qu'est devenue l'épée de Mysis? L'épée de Ptah, celle qu'on dit sacrée pour Sekhmet et Serket? Non. Mais je te l'ai dit. Ce lieu a été pillé il y a bien longtemps.
Les bandits sont installés au nord, et je les évite. Merci. Je vais aller au nord. Bon, je me suis fait agresser par une vieille quête qu'on avait depuis niveau 18. Alors, comme on a pu le voir, j'ai fini l'arène en élite. Et c'était un petit peu... C'était pas le seul combat compliqué, c'était contre le Hoplite. Et toute la série de combats avec le Hoplite. Là, avec une, enfin la manche 1, la manche 2, la manche 3 jusqu'au Hoplite. Parce que bah la masse a une main, j'aime vraiment pas et j'en ai chié. Mais sinon le reste, bon bah ça a été. Ouais, non franchement pas de souvenir de combat difficile, vu que je connaissais les strats en ayant fait en normal. C'est plutôt passé tranquille. Alors, en récompense, on avait eu Légionnaire Romain, lorsqu'on avait terminé en normal. Quand on arrive à vaincre le premier boss, le marteau, en élite, on débloque le Venator. Donc Venator, c'est à peu près la même tenue romaine que le légionnaire, hein, c'est juste noir. Et enfin, en dernier, on a le Marinus, qui est donc uniforme, comme ils disent, des combats navals, et en bleu, qui est plutôt joli. Après, bon, voilà, c'est, j'ai envie de dire que c'est pas non plus la récompense si on veut toutes les tenues. Oui, c'est sympa. Après, mon compte en banque a doublé, du coup les combats rapportaient bien, c'est l'avantage. 260 l'unité pour les manches, il me semble, et après ça dépendait, mais je crois que c'est monté jusqu'à 900 pour les boss. Je sais plus exactement, je dois avoir les chiffres, je regarde. Mais bon, ça a bien rapporté. Sinon, bon bah évidemment, mon armure centurion que j'avais avec le jeu au début, enfin la Deluxe Edition, c'est clair que... Bon, elle pète quoi. Elle est sympa et c'est un petit peu un cran au-dessus. Mais bon, voilà, les tenues, franchement, c'est pas trop mal. Puis bon, ça montre qu'on a fini l'arène. Je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas eu de succès. Ça aurait été sympa, un petit succès pour avoir terminé les deux arènes en élite. On en a un pour terminer celle de Crocodilopolis en normal, juste. Mais c'est tout. Donc, ouais, c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est pas très grave. Sinon, on est bientôt 40. On est bientôt 40 avec toutes ces conneries et... Ok, c'est pas grave. Et du coup... Ah, voilà, c'est ça que je devais faire, synchroniser le point. Et du coup, bah là on va faire l'ancienne bibliothèque qui était une quête de niveau 18, et puis ensuite on va gentiment aller faire le cercle de pierre et affronter les filakès qui restent, comme j'avais dit, et les tombeaux. Ah, c'est que t'es niveau 40, mon grand. Inutile de fuir. Oh non, je l'ai raté. Merde. C'est plus joli comme ça. Alors, le truc, il est où? Là, derrière. Et on a un campement juste derrière. Ok. Bah limite, en fait, on a été plus récompensé pour les deux éléphants tués qu'autre chose. Bon, c'était vraiment pas du tout le même délire. Ça, c'était vraiment très très dur. Enfin, j'ai trouvé ça très dur. Ouais. Peut-être qu'il y en a qui ont fait ça les doigts dans le nez. Allez, on synchronise ça. De toute façon, maintenant, avec vu qu'on peut aller dans le Sinaï avec Aiden Wands, l'extension, on peut monter jusqu'au niveau 45. Donc, on va pas être bloqué tout de suite. C'est bien. Bon, c'est pas grave si on atteint le niveau 40. Merde, mais enfin... Hop, je disparais. Alors, oui, c'est le fameux campement ici. Oui, j'aurais dû m'en douter en passant. Alors, je sais pas trop. Est-ce qu'on cherche une épée? Est-ce que... Aucune idée. Les brigands dont t'as parlé l'histoire. Et voler l'épée de Pta. Bah, en même temps, voler, non, puisque... Techniquement, elle a déjà été volée. Oula. Quoi ce bordel? Thank you.
comprends rien. On cherche une tanière ou... Ne pas tomber, ne pas tomber. En fait, c'est impressionnant parce qu'on les voit niveau 40, on se dit, oh punaise, alors qu'en fait... Ah bah super, il y en a un bloqué sous le sol. Décidément, les hyènes, elles ont beaucoup de bugs, hein. Merci, déesse vénérée. Je m'en servirai pour vous honorer. Ah non, moi je m'en serais servi uniquement si elle était en légendaire, hein. Il est marrant, lui. Je vais pas m'en servir du tout. Alors, le commandant, le capitaine. Il est là-bas. Ah, tout le monde dort. Il dort où ? Dans le dernier lit. Bon, je dis bien, on va essayer de pas réveiller les autres, mais bon. Ça finit toujours mal, donc... Je sais pas pourquoi cette fois-ci ça s'arrangerait. C'est passé? Ok, maintenant on tente de se barrer sans faire de bruit. Voilà, gentiment, hein, tout gentiment, tout gentiment. Et maintenant on va au cercle de pierre. Voilà. Alors je crois pas qu'il y ait d'autres hippodromes, par contre il y en avait qu'un seul à Alexandrie. Bah, qui m'a valu d'ailleurs ce cheval là, il me semble, et le cheval du pharaon. C'était un peu chaud l'hippodrome, mais bon, c'était une question d'habitude du contrôle des commandes du char, savoir quand passer devant, etc. Parce que bon, être premier toute la course en élite, c'est très compliqué. Après, on pouvait finir genre une fois dernier, ensuite finir premier, deuxième, genre ça passait, enfin des conneries comme ça, c'est... C'est peut-être pas exactement le truc qu'il fallait faire, mais je veux dire, ce que je voulais dire, c'est qu'on pouvait ne pas forcément finir premier à une ou deux courses, et ça passait quand même si ça dépend qui finissait aussi. Parce que si le gars qui... S'il y avait un gars qui finissait deux fois premier, voilà, là ça allait être compliqué, mais généralement les courses étaient tellement random que qu'il y en avait qui avaient gagné au tour passé, et à la deuxième manche, leur char explosait, donc ils étaient complètement éliminés. C'était un peu le bordel. Donc, mais bon, grosso modo, voilà. Sauf si on a vraiment pas de chance, y a pas besoin d'être premier à toutes les courses. Parce que j'ai pas été premier à chaque fois. Hein. C'était quand même compliqué. Mon cœur s'est enflammé, fils. Elle m'a souri. Et son regard m'a laissé sans armes. Alors, si une fille t'aime bien, elle te sourit. Il y a des choses que je peux t'expliquer, mais je ne peux pas t'expliquer les femmes. Déjà que ce qui explique de base, bah, y est qu'on a du mal. Si t'essayes en plus d'expliquer... D'expliquer ça à ton fils, t'étais pas rendu mon gars. Mais non, mais recommence pas. Oh putain. Non, on s'en fout. Oui, on a vu. Merci. Allô? Est-ce que vous pouvez revenir à la raison, s'il vous plaît? Merci. Pourquoi il y a du rouge? Je me fais agresser. Ah, j'ai eu... Alors, nous avons un Philakies qui se situe sur cette petite île. Ah, bah tiens, il doit y avoir une ville puisqu'il y a le marchand ambulant. J'ai encore oublié son nom. Alors, c'est Demi-Corne. Du coup, j'avais activé l'option, vu que je suis arrivé bientôt au niveau 40. J'ai activé l'option ennemi niveau auto. Que bon, les ennemis niveau 8 dans les zones de spawn, on a l'impression de leur rouler dessus comme du papier. Donc ça fera pas un peu plus de challenge, mais ce sera un petit peu plus réaliste. Parce que les ennemis, techniquement, bon, même s'ils ont voulu faire une ambiance un petit peu style MMO avec des zones pour chaque level, etc. C'est un peu pourri d'avoir un combat difficile et deux secondes après de rouler sur des gars à cheval et de leur vider leur barre de vie en deux secondes. Donc voilà, j'ai mis le niveau auto. Donc de toute façon, tous les derniers fils à caisse, ils seront niveau 40. Enfin, évidemment, si je passe niveau 41, ou 40 d'ailleurs, ils vont passer 41. C'est quasi sûr, ils vont up à peu près en même temps à chaque fois. Enfin bon, après, je pense pas que ce soit plus galère que ça, puisque de toute façon... J'en prenais déjà plein la gueule en temps normal, alors c'est pas parce que je mets le niveau au même que moi que ça va changer quelque chose. Enfin bon, peut-être qu'avec toutes ces arènes,
Ça va peut-être me permettre de me battre mieux, on va voir. Mais bon, c'était sympa, franchement. J'ai bien aimé l'ambiance colisée et tout, c'était bien chouette. C'est celle-là. Enfin, c'est même pas ressemblant en plus. À la limite, je la casse pas pour qu'elle ressemble, mais là, elle est moche en plus, la statue, elle ressemble à une d'elle. Punaise. Allez, on va pas y passer 4 jours. Voilà, oui, c'est bien, on a vu. Tout beau, machin. Bon, maintenant on fait la caisse. J'ai vraiment envie d'aller le faire au cac. Mais... Je me dis que j'ai pris trop la confiance. Et que ça y est, vu que j'ai battu les boss, l'arène, etc. Je peux battre tout le monde en duel, mais... On va essayer, mais voilà, je sens que ça va mal se finir, parce que bon, les filets à caisse, ils ont un style de combat particulier, évidemment, ils ne battent pas comme un soldat random romain ou grec. Alors, oh, allez, tu peux faire un saut, hein, franchement. Voilà, tu vois quand tu veux. Bon. Bon bah on va lui tendre une embuscade, il s'est barré à cheval, c'est enfoiré. C'est parce que monsieur a décidé d'investir dans un char. Oui, bon, d'accord, je voulais faire un duel, mais il s'avère que c'est un archer, j'y suis pour rien, hein. Du coup, il va nous offrir un arc, non? Arc de arc composite de char, niveau 38. Bien sympa. C'est qu'en plus, monsieur avait investi, hein. Attends. Ah, j'ai enfin trouvé comment reculer, hein. Tac, on reste appuyé sur X. Ils l'ont mis dans le menu pause. Ils sont gentils, hein. Enfin, dans le chargement, quand on est en train d'attendre. Ah, il est superbe, le char. Il ressemble au char romain là, je sais pas. Bon, oh putain, on est pas loin de Hop en plus. Qu'est-ce qu'il nous reste dans le coin? On a la ville de débloquer, nickel. Alors, il y a des filets à caisse. Ah voilà, c'est ici que je voulais aller. Filets à caisse, il y en a ici et ici. Il y en a deux ici. Alors, nous avons le taureau de fer. Ça a l'air d'être un gros bourrin. Allez, c'est par. Ah putain, et puis c'est parfois on aura un tombeau et un cercle de pierre, nickel. Alors, c'est où là? On est où? Bon, c'est pas grave, allons se dépêcher. Est-ce qu'un jour on laissera Siwa tranquille? Bon, on va essayer de lui tenter une embuscade. Je vais aller au camp de Sarajina, voir si ce message dit vrai. Putain, je crois que tant que j'aurais pas été voir ce putain de truc, on va pas arrêter de m'emmerder. Comment tu vas, vieille branche? C'est un peu ça, hein. Ah, la blague du siècle. J'espère que je loot son sceptre. Ah, je crois que c'est lui qui m'a fait une blague. Tiens, c'est dommage, j'aurais bien looté son mini marteau, il était sympa. Oh, bon.
en bas, tant pis. Tiens, je te vole ta monture, moi. Ah, punaise. Je savais pas qu'on pouvait one-shot à ce point-là quand même sur un fil à quai. Je me suis dit, ok, bon. On va tenter de le repousser, mais je pensais pas qu'il allait... Ah ! Il a one-shot le truc. Il est en train de le retourner. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Le mec, c'est pas une boule, hein ? Lâche-le ! Ah ! Je vais me faire bouffer par un lion ! Et il troll le lion en plus. Oh là là. Couché. Ouf. Ah ouais, 5 fois là. Ah, cette blague, il était planqué dans l'eau, j'avais même pas eu. Ah voilà, j'étais concentré sur ma victoire. Ma victoire, mais héroïque, hein. Putain, c'est dommage qu'il soit pas mort là-dessus. Si j'avais pas pris d'arme, j'aurais pu lui faire le putain de dropkick, il serait tombé, le mec serait mort sur le coup. C'était presque le cas, mais... Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Graphite. C'est pas gentil de mettre un arc bleu. En plus, on a presque, donc un tout petit bout. Alors, on a les deux tombeaux. Qu'est-ce qu'on fait? On fait les tombeaux et ensuite on se dirige vers le prochain fil à caisse. Hop. Ça veut dire qu'on va avoir encore un blabla. À la fin, ils vont peut-être nous dire exactement qui ils sont. Bon, on va pas se mentir, on en a appris pas mal quand même, mais bon. Allez, on rupe. Bon, il doit plus être loin de l'entrée. Alors, est-ce que c'est la bonne ou pas? Parce qu'à chaque fois, on se fait avoir. Oh non! Encore ce principe de lumière, ça va pas recommencer. Punaise. Hop. Parce qu'il y a un truc ancien juste à côté, hein. Ah pardon, si je me mets dessus. Tac, tac. On a amassé. Déplacer le miroir. Ça c'est pour après ça. Ça c'est le. C'est pour voir le chemin jusque au truc ancien là. Le mécanisme qu'on doit activer. Hop, le dernier. Tac 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 tac. Parce qu'il faudrait pas oublier la tablette en route quand même. Ah bah tiens, ça on en a besoin en plus pour activer. Je vais en avoir un sacré paquet, mais bon, ça tombe jamais. Ça se trouve, à la fin, ils vont nous faire activer un truc comme je disais l'autre fois, et on en aura besoin de beaucoup, donc... autant en ramasser le plus possible. L'armurerie, c'est ça comme la dernière fois. Il avait emmené du stock, lui aussi, hein. Avec l'autre, la vache. Il y avait quelque chose, là. Il va foutre le feu à un truc sans faire exprès. Oups. Alors là, tac. Ici. Voilà, hop. Ah, là c'est pas bon, il manque quelque chose. Ici y a rien. Qu'est-ce qui se passe? Ah, faut déplacer le miroir. Ça éclaire encore un truc, décidément. Y'a rien là-dessus? Ok, je croyais. 20 petits socles, je me suis dit y'a quelque chose. Fond de l'île. Je me méfie maintenant. Et ça a foutu le feu. D'accord. Moi j'étais venu chercher la tablette, hein. Il va encore me la foutre sur la route et... Oh. Il y en a encore un qui est pas mort pauvre.
Ah, du violet, je vais pas me plaindre. Et un sceptre. Oh merde, je vais casser tous ces petits soldats. Petit pharaon là. Hop. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? M'aère pas. M'aère pas, ok. Pourquoi pas? C'est un bon nom pour quelqu'un qui va se faire enfermer dans un sarcophage. Non, on va pas tarder à eux. Ah, bah peut-être là. Ah non. Yes, c'est dans la suite. Alors. Comment ça se passe pour le mécanisme? Pour la même chose, il devrait pas y avoir d'énigmes trop compliquées. Ah, ça c'est la sortie de secours. Je sais pas si en vrai ils ont vraiment prévu des sorties de secours, mais bon. C'est bon, je laisse ouvert. Ouais. Alors. Oh là. Dis donc. Ah oui, d'accord, je croyais que c'était à même dehors, mais en fait non, on peut pas rentrer, quoi. C'est fermé, c'est juste que le haut de la grotte est ouvert. Il y a quand même des vestiges de chars égyptiens, donc c'est bizarre tout ça. Un truc ici. Là sur le truc à notre droite, j'ai vu. Il y a quelque chose. J'ai vu un truc. Ah, c'est ma. Putain, c'est ma torche qui est reflétée. Ok. C'est bizarre tous ces vestiges anciens là. En fait, c'est des nains, c'est ça. Ça se voit, il y avait un visage là, j'ai vu. Il en faut combien pour activer? Encore 5, non? 5. Ouais, j'en ai beaucoup, hein. Franchement, j'ai dû en ramasser pas mal. Parce qu'ils en mettent des fois aussi sur certains. Sur certains lieux où pourtant il n'y a rien à activer. Allez, c'est parti. Une pensée profondément ancrée dans l'esprit collectif.
plus de 20 siècles, Zhang Zhu s'est endormi. Il a rêvé d'un papillon et à son réveil, il a été incapable de décider s'il était un homme rêvant d'un papillon ou un papillon rêvant d'un homme. Dans la caverne de Platon, des prisonniers enchaînés étaient contraints de regarder des ombres danser sur une paroi. La liberté leur était refusée jusqu'à ce qu'ils acceptent l'intangible comme leur réalité. C'est le cas partout. Il suffit de demander à un professeur d'Oxford ou à un cosmologue du MIT. Et vous? Que choisiriez-vous à la lumière de la vérité? Auriez-vous seulement envie de la connaître? Un rêve dans un rêve, une vérité qui peut basculer dans le mensonge. Quoi qu'il en soit, les simulations ont tout un sens. Elles ont une fonction. La question n'est pas de savoir si vous êtes ou non dans une simulation. Ce qui compte, c'est la part de libre arbitre qui vous appartient, quel que soit votre degré de réalité. Votre test de Turing serait incapable de déterminer si vous êtes une conscience ou du code. Elisa, le programme informatique de traitement du langage naturel, elle a bien réussi le test, n'est-ce pas? Et elle n'était pourtant qu'une intelligence artificielle. Alors, pour reprendre les termes d'Elisa, qu'est-ce que cela vous fait ressentir? En êtes-vous sûr? Le prof de philo, quoi, c'est un truc de fou. Ah non, mais là, on va se poser plein de questions à la sortie du jeu, quoi, c'est un truc de fou derrière. Alors par contre, comme je disais, je sais pas si je les ai regardés dans l'ordre, donc ça, faudrait que je revoie après toutes les discussions de... tous les messages dans l'ordre pour voir un petit peu, parce que là, c'est vrai qu'on a un petit peu perdu. Ce qu'il y en avait, c'était 200 joueurs après la catastrophe, là, on était genre 90 jours. Donc faudra voir ça pour savoir. Enfin, en tout cas, oui, ils remettent en cause, en gros, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on fait. Il sait qu'on est dans l'animus, c'est un truc de dingue, quoi. Le mec, c'est tout. Alors, on a un filet qui est juste à côté. Enfin, d'ailleurs, je sais même pas si on a terminé ça, parce que... Si, il y a encore un tombeau, normalement, après. Là. Trouver la tablette, il y a un cercle de pierre, il y a un truc d'ermite. Je sais toujours pas à quoi servent les trucs d'ermite. Hein. J'en ai trouvé peut-être deux ou trois, mais... Je sais toujours pas à quoi ça sert. Oui, après, c'est la fin de la map, d'accord, pardon. Ouais, est-ce qu'il y a d'autres tombeaux après celui-là? Comment on sait? Je sais pas, il n'y a pas un compteur de tombeaux, donc... Bon, écoute, on verra, c'est pas grave. Bon, on va aller affronter le Philakies. Le Galaté ou le Galate. Bah j'ai bien fait d'activer la quête, parce qu'apparemment c'est le dernier. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'on débloque après. On avait... Oula, merde, il y a une patrouille. On avait récupéré des clés, donc... Ça doit être lié. C'est son camp à lui ou... Il y a d'autres gens. Alors là, il y a des rebelles. Ah, il y a une attaque de rebelles. D'accord. On pourrait peut-être profiter de la confusion pour foutre le boxon. Ouais, c'est gros bouclier. On va descendre de ça déjà. Attends, ils ont quand même pas eu le commandant, si? Et en plus, le gars est en train de péter un câble. Ah non, le capitaine est vivant pourtant. Ah non, il est mort. Bon, bah si je continue comme ça, ils vont tous se le faire. Putain, le
Les gars campent sur un rocher, descendent là mec. Je pense qu'il est vraiment tombé au mauvais endroit en fait. C'est un truc de fou, le gars il va se faire défoncer par les rebelles parce qu'il est arrivé au mauvais endroit. Ils sont en train de lui foutre tellement cher. Ah, on se réveille, hein. Ok. Je crois qu'il convulse. Et un arc. Sans doute pas la dernière. Qu'elle protège doit être précieux. Refuse de remettre la dernière clé. Laisse ta direction et on raconte aux enfants cette histoire parce que naturellement, quand je dis moi, je l'aime, elle mérite le respect d'un chef de guerre. Je vais de nouveau essayer de lui parler car je sais que. La dernière clé, hein? Eh bien, allons dans ce triste village de pêcheurs. Ah. Trouver Abar. Wow, 6000 mètres. Ah oui, pas à côté le mec. Alors, avant de partir, on va finir les cercles de pierre, le tombeau. On a un cercle de pierre, faut que j'aille synchroniser ça. Ah voilà, à côté du tombeau. Nickel. Allez hop. En route. Qu'est-ce qu'il y a de mieux dans la vie ? Chercher la justice et la vérité. Vivre dans l'honneur. Protéger les pauvres et les faibles. Et aimer ta mère. Mon ami Kenan dit que c'est écraser ses ennemis et entendre les lamentations de leurs femmes. Il y a un point d'ermite là que j'avais pas vu. L'endurance Bayek. Ah bah d'accord, c'est tout en haut. Donc je sais toujours pas à quoi ça sert, on l'avait fait une fois je crois. C'est genre tu t'assois, il se repose et. C'est pas une synchronisation mais. C'est dans le même style. Ah si, ça. Je crois que ça m'avait donné un point d'aptitude. Je sais pas comment il fait pour monter comme ça. Plus c'est pas bon, génial. Ouais c'est ça, trouver un lieu pour se reposer. Quoi ? Hein ? Ah bon d'accord. C'est... Ah mais je savais même pas qu'on était dans le... Black Desert. Ah ouais, effectivement, on est dans le désert. Alors autant pour moi. Et voilà. Et là je vole. Ah non je vole pas, la dernière fois j'avais volé. C'était peut-être un bug alors. Sommet de Rorak. Un point d'aptitude. Hop. Allez, maintenant je me RTP. Et direction le tombeau.